La lumière. J'aime bien celle-là. Je sais pas si je dois regarder ici ou là. Moi j'ai l'habitude de regarder là, je sais pas. En vrai, la fois que j'ai commencé cette vidéo, moi je savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire. Parce qu'en fait, j'ai un carnet avec plein d'idées de vidéos. Bon, il y a une grosse moitié qui n'est pas utilisée, mais quand même, tu vois, je travaille. Mais en fait, mon problème, en fait, c'est que tellement je veux faire les trucs, ben, je fais rien. Ces explications sont nulles. C'est nul. Comment j'explique ça là? En gros, parce que j'ai plein de trucs dans la tête, j'ai plein de vidéos et tout. Bah, vu que je sais pas sur laquelle me concentrer, bah, je fais rien parce que j'arrive pas à réfléchir, à me dire je fais ça, je fais ça. Donc, j'ai pioché une dans mon carnet à vidéos et je me suis dit, bah, une vidéo sur mes tatouages et mes piercings. Avant de commencer, maman ou papa, si tu vois cette vidéo, je n'ai pas de tatouage, d'accord? En gros, la vidéo, ça va être en fait, je parle de tatouages et piercings que j'ai. J'ai pas de tatouage, du coup, ben, ça sera zéro, je vais même pas parler de ça. Mais je vais parler des tatouages que j'aimerais avoir dans le temps. Et ensuite, ça va se suivre, j'ai une petite story time. Donc, je vais pas faire juste une vidéo en mode, je parle de mes piercings et des tatouages, alors que j'ai pas de tatouage. C'est bête de faire une vidéo comme ça. Du coup, on va l'agrémenter d'une petite story time qui reste toujours dans le thème piercing tatouage. Donc du coup, maman, papa, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de tatouage, j'en aurai bientôt. Et grâce à cette vidéo, tu pourras savoir exactement où je veux. J'ai 6 piercings aux oreilles. J'ai 3 de chaque côté, donc j'en ai un en haut. J'en ai un en haut. Oh non. J'en ai un en. J'en ai un en. Bref. J'en ai 3 ici. Et en fait, de base, je voulais faire 3 et 3. Mais en fait, vu que mon piercing ici, en fait, il est en ligne droite comme ça. Alors que celui-là, ben, ils font en arc de 7. Enfin, ils sont adaptés à mon oreille, quoi. Du coup, quand nous, ça fait le troisième, donc ici. Un truc en mode. C'était pas beau du tout, du coup j'ai pleuré parce que c'est pas ce que je voulais, ça m'a saoulé. Du coup j'ai dit de retirer. Pour moi, le fait que j'ai 3 et 2 ici, ça me stressait, du coup je pouvais pas. Je me suis dit, moi, il faut que ça soit équilibré, sinon je sens que c'est un peu lourd par là, il faut que ça soit. J'ai réfléchi longtemps, je me suis percé en haut et ensuite j'ai un petit percé au nez. La story time va se porter justement sur ce petit percé qui m'a fait voir de toutes les couleurs. Maintenant que j'ai fini avec ce que j'ai maintenant, je vais parler de ce que je voudrais faire. Au niveau piercing, là je suis bien, genre j'ai plus envie de faire de piercing, à part peut-être au nombril, vu que j'aime pas trop mon nombril. Enfin, niveau piercing, c'est vraiment tout ce que je voulais. Premier tatouage que je veux faire, c'est un tatouage sur la colonne vertébrale. Genre, tu vois, soit un tatouage comme ça, genre avec une petite écriture, une phrase en fait, qui pour moi du coup. Ou bien sinon, un truc en japonais. Je voulais m'écrire en fait. C'est des signes qui veulent dire des choses genre fort, courage. Du coup, je pense que j'écrirais des trucs comme ça parce que le fait de l'avoir écrit sur ta peau, ça te rapporte des trucs en plus. Genre, si tu t'écris que tu auras de la force, ben ça te rapporte de la force. Enfin, comme les trucs de karma et tout, moi j'y crois beaucoup. Donc. Un tatouage dans le dos, ce sera la seule grosse, grosse pièce que je ferai sur moi. Après, ce sera que les petits trucs minimalistes. Je connais à peu près tous mes emplacements, mais je sais pas encore qu'est-ce que je vais écrire parce que moi, je me dis, il faut pas que je réfléchisse à ça maintenant parce qu'après, sinon, je vais harceler tout le monde. Maman va me dire, non, j'aurai honte. Et du coup, je serai triste parce que je pourrai pas faire mon tatouage. Du coup, je préfère ne pas y réfléchir. Cette vidéo, en vrai, de vrai, vous en avez rien à faire, mais c'est surtout pour moi que j'ai fait cette vidéo. Pour que quand je serai grande, genre par exemple, je sais pas moi, quand j'aurai 25 ans, je regarde cette vidéo et je me dis, ah ouais, à cet âge-là, je voulais faire ce tatouage et je l'ai fait. Tu vois. Ensuite, je vais faire un tatouage ici. Je vais mettre quelque chose de positif parce que c'est quelque chose que je vois en fait. Genre, quand je bouge et tout, je vois. Ensuite, je voulais faire un sur les doigts. Bon, tout le monde veut faire un tatouage sur les doigts. J'ai peur. Quand il n'y a pas de peau, il n'y a rien. Donc, je pense que ça doit faire mal. Je vais mettre un petit truc en mode. Je voulais faire ici, tu vois, avec mes doigts couchés. Enfin, sur ce doigt-là, mais à l'intérieur pour moi, tu vois. Je le vois en mode. I'm sorry, bitch. Et mon dernier tatouage, je voulais faire en dessous de ma poitrine, tu vois. Genre, comment t'expliquer, genre, t'as les deux. La poitrine et en dessous, ben, je voulais écrire quelque chose sur le droit. En dessous, je voulais écrire mon signe astrologique. Du coup, voilà, maman, bien formée. Alors, depuis très 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 longtemps, je voulais faire un piercing au nez. Vu que sur Snap, il y a des filtres où tu peux mettre du piercing au nez. Bon, à chaque fois, j'en utilisais un et tout, je faisais semblant. Ou bien sinon, tu vois, je prenais les strass et je faisais semblant et tout. J'ai harcelé tout le monde avec ça, ma maman, ma papa, tout, ma soeur et tout. Et puis un jour, je crois que c'était en janvier, j'envoie un maman. C'était la plus grosse honte de ma vie parce que maman m'a pas répondu en fait. En gros, j'envoie une vidéo avec moi avec un strass. Je lui dis, ouais, j'ai piercé mon nez, regarde. Et je lui dis, c'est juste un strass, hein, t'inquiète pas, machin, mais juste regarde et tout. Est-ce que tu es. La vidéo, je la mets là. Et qu'est-ce qu'elle me répond? Tes cheveux ont grandi. Mais maman, Eh oh,
je t'ai pas parlé de ça. Ou elle me dit c'est un piercing ou je suis pas très d'accord, tu sais bien. C'est pour cette raison que je t'ai parlé, ils m'ont dit juste en mode pardon. Oh, ça, tu m'en comprends parce que je suis. Dis-moi juste non, madame, non. Dis-moi non. Ça, c'était juste en janvier pour vous mettre un petit peu dans le. Pour vous comprendre à quel point ma maman était contre et mon papa encore plus parce qu'une fois je lui ai demandé, il m'a dit tes huiles de cochon là pour faire comme un cochon, non, tu peux pas ça, il y a pas de cochon chez moi. Vraiment, les deux étaient d'accord pour se dire non, ils voulaient pas du tout. Je cherchais toutes sortes d'arguments, rien ne passait, rien. Et puis, arrivé en juin, je vais chez ma soeur et tout. On est avec ma cousine, moi dans le train de parler, ma cousine dit ouais, moi j'ai 30 personnes monnaie. Je vais être en mode si tu fais, je fais. Problème. On en parle pendant 2 jours, je crois. Je suis déterminée, je dis oui, je veux. Et toujours mes amis, parents. Je motive ma cousine parce qu'elle n'est pas trop motivée. Je lui dis oui, allons faire aujourd'hui. Tu vas avoir ta pite et tout, parce qu'en fait, de base, on devait se faire passer un tapis. Enfin, oh. Ouais, ils ont fait des boutiques, enfin. On n'a rien acheté du tout en plus. Et puis, arrive un moment où on se rend compte qu'on est arrivé à Pot-à-Pitre, il était 15h. On est resté là jusqu'à 17h à faire les boutiques et tout. Et on se rend compte qu'en fait, l'heure ne correspond pas. À 17h, je peux pas aller voir en personne et lui dire bonjour, je voudrais me faire percer aujourd'hui. C'est pas possible pour prendre rendez-vous, quoi. Du coup, nous, aïe, on se dit, mais comment faire? Ma cousine, c'était aujourd'hui ou jamais. Moi, je t'envoie, mais non, t'inquiète, on va la trouver, machin. Le temps qu'on cherche, qu'on arrive à l'endroit et tout, tous les tatoueurs et les personnes seraient fermées. On cherche et bénédiction, on trouve un tatoueur perso qui s'appelle Bodycraft. Par contre, petite parenthèse, c'est vraiment trop lourd parce qu'ils sont ouverts jusqu'à 20h. On se rend à l'endroit, c'est stressé d'après moi, machin. Dans la voiture même, j'ai commencé à faire des petits snaps en mode est-ce que je suis un piercing par là ou est-ce que je suis un piercing par là. Grosse parole que je suis, je m'imagine que j'ai confiance aussi. Et c'est là que l'histoire devient drôle. Comme je vous disais, c'est un piercing que je voulais faire avec ma cousine. On attend, moi j'ai mal au ventre. J'avais mal au ventre, j'étais stressée parce que j'ai pas dit à mes parents. Je me tournais dans tous les sens. Et enfin arrivé le moment où on peut rentrer. Et on doit commencer à remplir les papiers, les autorisations et tout. Stelly, encore toi, Stelly. Donc je rentre avec ma cousine et tout, on est trop contente. Et le monsieur nous donne les. La scène était tellement mal propre. Le monsieur nous donne les papiers. Je commence à écrire en mode. Non. Et ma cousine fait. Mais du coup, vu qu'elle n'est pas majeure, ça se passe comment? Et le monsieur, il l'a regardé, il a fait. Non, c'est pas possible. Et il a récupéré la feuille dans mes mains. J'étais comme ça avec la feuille, il a récupéré la feuille. Slook. J'étais en mode. Et là, j'ai envoyé ma cousine en mode c'était bon. Voyant que je suis dégoûtée, elle essaie de se rattraper en me disant oui, mais la session qui est là, est-ce que c'est bon, ça serait majeur et tout. Non. S'il appelle les parents et tout, et les parents disent que c'est bon. Non. Faut que la maman soit là pour signer le papier et tout. Moi, je te demande, mais si elle t'appelle pour te dire c'est bon, c'est que c'est bon. Genre, elle connaît vraiment déjà qu'elle veut pas. Donc, si elle se déplace pour rien, genre, rester là 2 secondes en mode oui, c'est bon, et après, elle se casse, elle va être énervée. Elle va se dire, mais tu me fais sortir de mon travail pour ça. J'essaye quand même, je me dis bon. Puis, je ressors de la boutique avec un grand sourire, bien sûr. J'avais envie de pleurer dans le petit message à maman en mode pas personnellement, il faut que tu sois là. Genre, elle a vu mon message, moi je sais comment elle envoie mes messages, parce que je la vois en ligne, même si elle n'a pas décoché, je sais. Du coup, je lui ai renvoyé un autre message, je lui ai dit, tu n'en vas pas avec moi. Manzelle m'a envoyé un smile qui rigole, la spécialité de maman. Quand elle n'en a rien à faire de toi, elle t'envoie un smiley qui rigole. Comme ça, c'est ok. Est-ce que j'ai envie de rigoler? Je pleure là, je suis en train de pleurer. Je lui ai dit d'accord en mode. D'accord. Du coup, et tout, on parle et tout. Moi, je suis en mode. S'il te plaît, maman. Et elle est en mode. The next morning. Tout le lendemain, matin, elle m'appelle. Et tous les jours, ma maman m'appelle en mode. Est-ce que ça va et tout? Enfin, tu vois, on prend des nouvelles et tout. Du coup, moi, comédien de l'arté en place, elle m'appelle. Moi, je suis en mode, tu veux vraiment pas que je me fasse percer? Elle est en mode, non. Et du coup, je lui ai dit, vu que tu veux pas que je me fasse percer, au revoir, slip. Je me suis dit, Louis, tu es folle? Tu vas mourir, en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que je souhaite mourir? Après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, par contre, tu te calmes. Bon, j'ai vraiment fait la drama et tout. Et du coup, elle m'a dit, bon, envoie-moi ce que c'est bien fait et on verra. Du coup, j'ai envoyé et tout. Et là, elle me dit, d'accord. À ce moment-là, je suis en train de faire des photos avec ma cousine, genre ces photos-là. Moi, j'ai dit à maman, on se donne rendez-vous à 16h après ton travail et tout. Enfin, à 16h, elle me dit, maintenant. J'étais chez ma soeur et ma soeur, elle était au gousier. Donc, on était en mode,
T'inquiète. Du coup, on fait les photos, on fait les photos, on fait les photos. J'étais un peu stressée parce que je me suis dit, maman, elle veut pas que je sois en retard. Après, elle me dit, je suis là. Ma cousine est en cours, en cours. Moi, je dois m'habiller vite parce que j'ai la veste avec le pantalon. Ça sent pas. Maman m'appelle, tu es où? Moi, je suis en mode, hihi, si, t'inquiète, on est sur le parking, je te vois pas. J'étais pas du tout sur le parking. Je mens parce que bon, sinon, je vais mourir. On fait la discussion pour qu'on puisse avoir plus de temps. Genre en mode, est-ce qu'il y a de la place près de toi et tout? Parce qu'on trouve pas de place. On venait d'arriver dans le parking, c'est pas grave. Vive là-bas. On est très énervée parce qu'elle travaille justement, donc elle a pas envie que je fasse perdre du temps. Elle est dans la boutique. En gros, elle a dit j'ai pas ton temps en fait, monsieur. Donne-moi le papier, je vais le signer. Après, je me casse. Bah, on n'a pas attendu. Elle a signé le papier, elle me l'a donné, elle est partie. Après, on a attendu. La fille qui était avant moi aussi, bien sûr, son nez et tout. J'ai fait mon piercing. D'ailleurs, alors si tu te demandes est-ce que ça m'a fait mal, etc., etc. En vrai, ça fait mal. Mais quand ça fait pas mal en mode. Mais ça fait mal en mode, genre un petit pincement. Bah, automatiquement, en fait, mes yeux ont pleuré, tu vois. Du coup, bah, quand elle a percé, c'est venu automatiquement. Par contre, ça allait super vite. J'ai même pas compris comment elle a fait, en fait. Genre, j'ai pas compris à quel moment elle a mis le piercing. En fait, j'ai senti qu'elle a percé, mais après, le reste, j'ai rien compris. Et c'était tellement drôle parce que la dame, je suis rentrée et tout, elle a désaffecté et tout. Et moi, je tremblais ma race. Et elle me dit, bon, bah, tu me dis quand t'es prête. Je lui dis, je suis pas prête. Et du coup, on est à s'asseoir là, en mode. Je lui ai dit non, mais en fait, quand vous êtes prête, vous, parce que moi je ne serai jamais prête en fait. Bref, j'ai fait mon piercing, je suis trop contente. Et puis, je connecte les deux neurones qui me restent après toute cette journée. Je me dis, mais j'ai pas dit à mon papa. Je commence à stresser, je me dis, mais attends, mon papa en fait va me tuer. Genre, je rentre chez moi, j'avais passé sur mon lit, je rentre chez moi avec. Il m'a dit que ça faisait cochon, il doit faire ça. Enfin, peut-être deux jours, j'étais stressée, j'étais en mode, oh mon dieu, je rentre bientôt chez moi là, je passe ma soirée à me déposer chez mon papa. Je rentre bientôt chez moi là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dis? Comment j'explique? Je pars rentrer chez moi, il dit, on part, on a mon lit. Je me suis dit, ouais, je l'appelle. Ah non, 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 il va se sentir vexé. Je l'appelle en vidéo. Ah non, 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 je dis, j'envoie un message, j'étais perdue. Du coup, alléluia. Il y a une copine à moi qui m'envoie un truc que j'avais vu sur Twitter, mais en fait, j'avais pas lu. Bon, c'est une fille sur Twitter qui, pour dire à son papa qu'elle a percé son nez, elle a inventé une histoire en fait. Genre, elle a dit oui, qu'elle est tombée sur une barre de fer et tout, c'était dans son nez et tout. Enfin bref, c'était trop drôle. Du coup, je me suis dit, au point où j'en suis, en fait, je n'avais pas de solution. Donc, je me suis dit, soit je fais ça, soit je me. Vaut mieux vivre. Hein. J'envoie les signes à mon papa, bonjour papa, ça va, machin, je lui parle. Enfin, je lui dis bonjour et tout. Et j'envoie une petite photo de ma tête en mode. Rien qui a changé. Il a vu le message, il a pas répondu tout de suite. J'ai envoyé à 13, il a vu vers 20, et il m'a répondu à 46. Du coup, pendant tout le temps, comment ça répond pas? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il est fâché, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que. Pourquoi il répond pas? Mes mains étaient moi, tout mon être était moi. Je me suis dit, putain, s'il m'appelle, c'est que c'est vraiment mal barré pour moi. Il me répond, il me dit, ton nez. Mais ça fait 20 minutes que tu réponds pas. Il faut plus d'informations pour savoir ton état d'esprit, en fait. J'ai dit oui, tu aimes? Et il m'a fait oui. Merci, Twitter. C'est de lui que j'avais le plus peur. Je me suis dit, c'est lui, il me. Et je pensais même qu'il allait m'appeler pour me dire en mode tu rentres, on a besoin de discuter là. Et même quand je suis rentrée, il avait pas trop remarqué tout. Et à un moment, en fait, je grattais mon nez, il m'a dit ah, mais t'as un truc sur le nez, je t'envoie. Oui, il m'a fait ah, c'est ton truc là. D'accord. Et du coup, depuis ça va très très bien, j'ai fait ma petite vie avec mon petit piercing, voilà. C'est la fin de cette petite story time. Il m'a fait voir toutes les couleurs du début à la fin en fait. Alors, ouais, je suis contente de mon piercing, mais il m'a fait galérer. Si t'as envie de faire un truc, fais-le, même si tu vois que c'est un peu compliqué et tout, c'est pas grave. Si tu veux vraiment vraiment au fond de toi le faire, fais des affaires. Voilà, du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si t'es nouveau, nouvelle, abonne-toi et puis voilà quoi, tu connais. Bisous. You said fine, you win, but it feels like I didn't win any.